Gap YouTube, ça y est, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de enfin pouvoir tourner cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je lance ma marque de vêtements. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez dû en entendre parler. C'est un projet dont j'ai énormément teasé dans différentes vidéos, sur les réseaux sociaux, bref, de partout. Enfin, je peux vous la dévoiler officiellement. Cliff, c'est le nom de ma marque. Oh là là, ça faisait longtemps que je gardais ça pour moi. Aujourd'hui, je peux vous le dire officiellement. Cliff, 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 Cliff. Voici les logos de la marque réalisés par Arcom Design. Ce logo là, c'est le logo que vous verrez pas forcément sur les vêtements, mais plus sur le site, en profil, sur les réseaux sociaux, ou même dans les mails ou sur les factures de vos achats. Les deux logos que vous allez voir sur les produits seront ces deux là. Je vous mets un sondage, dites-moi ce que vous en pensez. Et là vous êtes en train de vous dire, mais what the fuck, tu fais une vidéo sur ta nouvelle marque et t'es en train de porter un t-shirt noir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la marque, vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Bref, je vous annonce officiellement le projet et la marque, elle, sort ce vendredi à 18h. Bien évidemment, il y aura une vidéo sur ma chaîne. Sur les vêtements, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est les vêtements avec un motif dans le dos. Maintenant, ça se fait déjà un peu plus, mais avant, j'avais du mal à en trouver. Quand j'ai pris la décision de créer ma marque, la première chose auquel j'ai pensé, c'est d'inclure sur la majorité des vêtements un motif dans le dos. Dans ce modèle-là, on peut retrouver un petit motif à l'avant et puis un plus gros motif à l'arrière. Attention, le modèle que je viens de vous montrer, c'est simplement un prototype et non la version officielle. Comme celui-là, par exemple. Ou comme celui-là. Oups, faut que je garde un peu la surprise. Il y aura 3 collections par an. Ces 3 collections sont calées sur 3 dates déjà définies. La collection printemps sortira le 20 mars, la collection été sortira le 21 juin et la collection hiver sortira le 21 décembre. Chaque année, je ferai des variantes avec les logos et aussi avec les produits pour éviter de proposer tout le temps la même chose. Sinon, ça n'a plus d'intérêt. Toutes ces collections seront disponibles sur le site web. Si vous regardez cette vidéo avant la sortie de la marque, si vous allez sur le site web, vous devrez voir apparaître cette page-là. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail, vous serez informé lors de la sortie de la marque, puis n'hésitez pas à partager le site. Vous verrez vendredi, mais le site, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à vous proposer quelque chose de quali. L'idée, c'était d'avoir un site agréable à naviguer dessus. D'où viennent les t-shirts et comment ça se passe? Déjà, je choisis le vêtement que je souhaite et il y a pas mal de choix. Déjà, juste sur les t-shirts, il existe plein de coupes différentes, de matières différentes, etc. Une fois que j'ai sélectionné le t-shirt, je vais devoir définir quel logo je vais choisir, où c'est que je vais le placer, etc. Une fois que ça c'est fait, je pourrais le mettre sur mon site. Après, une fois que vous avez fait la commande, c'est le fournisseur qui s'occupe de la production et de la livraison. C'est pour ça d'ailleurs, je tiens à préciser, les délais de livraison au début risquent d'être environ 7 à 10 jours. Ça, pour l'instant, c'est le petit bémol. Mais pour moi, le gros avantage de faire ça, c'est que je n'ai pas à gérer de stock. Au début, je ne sais pas du tout comment la marque va marcher. Donc si je commande 100 t-shirts et qu'ils partent au bout d'une semaine, comment je fais? Le temps que j'ai un restock, il peut se passer au moins un mois. Ou à l'inverse, comment je fais s'il y en a 50 qui partent et le reste ça part pas? Vous voyez, ça me permet d'éviter les ruptures de stock et de vous proposer dès le début un large choix de produits. Bémol, les délais d'expédition sont plus longs, mais comme je vous l'ai dit, c'est temporaire. Pourquoi j'ai mis en place Cliff? Il y a deux raisons. La première, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que j'adore créer. C'est pour ça que j'ai mis en place la marque Cliff. C'est parce que je voulais porter des choses au quotidien que j'avais créées moi-même. Bon, même si c'est pas moi qui fais les t-shirts, hein, mais vous avez compris. Et la deuxième, l'argent généré par Cliff n'iront pas pour financer mes pâtes ou pour payer un McDo. Tout l'argent généré par Cliff ira pour financer la chaîne YouTube, donc que ce soit en matériel vidéo, en trip, si jamais je veux faire des gros projets. Bien évidemment, à terme, c'est d'arriver à en vivre pour pouvoir financer des projets qui sont plus gros. Vous me connaissez, j'ai constamment envie de pousser mes limites et de faire des choses de plus en plus grandes. Donc Cliff, pour moi, ça va me permettre d'évoluer et de pouvoir financer des choses qui sont plus grosses. J'ai pu enfin vous parler de ce projet, ça faisait plus d'un an que je travaillais dessus. J'ai passé énormément de temps à mettre tout ça en place. Merci de me soutenir. N'hésitez pas à partager la vidéo en story, sur Instagram, sur Facebook, bref, de partout. J'espère vraiment que cette marque va vous plaire et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo.